Au début, Terence Hill et Bud Spencer exploitent encore le filon de la violence avant de passer à la comédie. Mais la chose la plus buffa. Il s'est passé quelque chose d'amusant pendant le tournage de Django. Le caméraman Enzo Barboni avait toujours un scénario avec lui. C'était un western. Et il m'a dit, Franco, je voudrais faire un western, mais sans mort. Et plus le western italien a de succès, plus les acteurs s'installent dans la routine. Le registre de la violence étant épuisé, on s'intéresse alors à la comédie. Le couple Terence Hill-Bud Spencer fait son apparition à l'âge de maturité du western italien. Une véritable chance. Des films tels que « On l'appelle Trinita » ou « Mon nom est personne » comptent parmi les westerns les plus drôles de l'histoire du cinéma. Molla presto. C'est Giuseppe Colizzi qui découvre le duo Terence Hill-Bud Spencer et qui crée pour ce dernier le rôle d'un massiste moderne et ventripotent. L'autore della sceneggiatura e del soggetto Enzo Barboni, le scénariste était Enzo Barboni, qui se faisait appeler E.B. Clucker. Il souhaitait faire un western. C'était un grand ami du producteur Zingarelli, et il voulait à tout prix que ce dernier lise son scénario qui s'intitulait Il Giglio di Roma. Voleva vedere Zingarelli per fargli leggere la sceneggiatura. Noi ci informammo e sapemmo che tout le monde lui disait qu'il était fou de vouloir faire un western comique. Nessuno l'aveva voluto. Ma che sei matto, dicevano. Un film umoristico, comico, western. Colizzi tourne Dieu pardonne, moi pas. Mais c'est l'ancien caméraman de Django, Enzo Barboni, qui mettra en scène pour la première fois le duo comique, comme on l'appelle aujourd'hui. Bud Spencer et Terence Hill forment un couple bien étrange. L'un est ancien nageur olympique et l'autre, gymnaste. Il leur faut d'abord trouver un terrain d'entente. Zingarelli, benché fosse amico di Barboni, non aveva molta voglia di vederlo, perché anche Zingarelli, un ami de Barboni, n'était pas franchement disposé à lire le scénario. Non era così florida della West. Parce que West Film, sa société basée en Floride, traversait une période difficile. Cercava di evitarlo. Quando Barboni veniva o chiamava al telefono, Barboni a tenté de le joindre par téléphone, en vain. Buongiorno. A un certo punto non ha più tutto più. Et puis il en a eu assez, alors il a décidé d'envoyer le scénario à la société Barlotti Film. Gli lasciò una sceneggiatura e rimasero d'accordo che si sarebbe fatto sentire Zingarelli per dare un. Zingarelli l'a appris et a fini par lire le scénario avec son collègue Roberto Palaggi. Roberto Palaggi, leggila. Remarquez qu'avec Bud Spencer, on ne plaisante pas. Les western spaghetti étaient des films que l'on appelait ainsi parce que, contrairement aux chefs-d'œuvre de Sergio Leone, ils étaient produits avec peu de moyens.
et était généralement de qualité médiocre. Et questo fatto ha determinato una qualità di cinema medio basso. Hit him. Me? J'ai travaillé avec Sergio Leone, qui a été le précurseur du genre dans le monde entier. Et par la suite, on nous a découvert, Terence et moi, et on nous a proposé de faire des westerns comiques. Bud Spencer et Terence Hill ont apporté du sang neuf au western. Prenez une bonne dose de bagarre, ajoutez de l'humour tarte à la crème et vous obtenez un western comique. Fun to make. Il n'y avait encore jamais eu de western comique comme les nôtres, sans effusion de sang ni mort. Les films dans lesquels nous jouions étaient des films d'action, mais la violence n'était plus omniprésente. Et donc, pour la première fois, ce genre de western a eu du succès dans le monde entier. L'Américain Mel Brooks s'en est d'ailleurs inspiré en réalisant, deux ou trois ans plus tard, un western comique. Nos westerns n'étaient plus des western spaghetti, mais des western comiques, qui avaient du succès partout dans le monde. Tout cela est dû à la chance et aux idées d'Enzo Barboni, qui a créé ce genre. Dès lors que d'autres comiques imitent leurs films, Bud Spencer et Terence Hill s'en éloignent. Le duo de choc fait ses adieux au western et continue l'aventure ailleurs. Ils parcourent l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Ils n'ont pas souhaité assister au chant du cygne du western.